Le bilan comptable récapitule l'ensemble du patrimoine de l'entreprise. On dit aussi que c'est une photographie de ce que possède et ce que doit l'entreprise. Le bilan comptable fait partie intégrante des comptes annuels de l'entreprise à la date de clôture comptable. Le bilan comptable se présente sous la forme d'un tableau à deux colonnes. À gauche, l'actif, qui récapitule l'ensemble de ce que possède l'entreprise. À droite, le passif, qui récapitule l'ensemble des dettes de l'entreprise. Le bilan comptable a un ordre de lecture. Il ne se lit pas n'importe comment. Les actifs sont classés par ordre de liquidité. En haut, les actifs les plus liquides, comme les terrains, les constructions. En bas, les actifs les moins liquides, comme la trésorerie. Le passif du bilan, quant à lui, est classé par ordre d'exigibilité. Les dettes apparaissent par ordre décroissant d'échéance. En haut, on retrouve les dettes les moins urgentes, comme les dettes envers les associés. En bas, on retrouve les dettes les plus urgentes, les dettes à court terme, dont l'exigibilité est quasi immédiate. L'actif du bilan est composé de deux grandes parties, l'actif immobilisé et l'actif circulant. L'actif immobilisé regroupe l'ensemble des biens exploités par l'entreprise qui ont pour vocation à être conservés sur le long terme. L'actif circulant regroupe l'ensemble des biens non durables et nécessaires à l'exploitation. On retrouve par exemple les stocks, les créances clients ou la trésorerie. Le passif du bilan est composé lui aussi de plusieurs parties. D'abord, les capitaux propres qui correspondent grosso modo à la dette de l'entreprise envers ses associés. On retrouve dans les capitaux propres le capital social, le résultat des exercices antérieurs ou encore les réserves. L'actif et le passif du bilan comptable doivent toujours être égaux. On dit que le bilan doit être équilibré. En d'autres termes, on considère que l'ensemble des besoins de l'entreprise doivent être couverts par les ressources. N'hésitez pas à approfondir cette vidéo grâce à l'ensemble des articles du blog Valoxy et à nous suivre sur les réseaux sociaux.